Professeur Kemal Jinouhad, bonjour. Bonjour. Alors, l'Algérie rend obligatoire le pass vaccinal dans les lieux publics. La situation inquiète. Et inquiète vraiment. Oui, elle est très inquiétante. La situation elle est très inquiétante. Vous savez très bien qu'on est en pleine phase ascendante de la deuxième vague de variant Delta. Et vous connaissez très bien, on a eu l'expérience avec Delta. C'est un variant qui est très meurtrier, malheureusement. Donc, on s'attend à avoir des semaines un peu plus dures. Et vous le savez très bien que tous les pays qui ont eu l'Omicron, ils ont eu l'arrivée de l'Omicron en phase descendante, de variant Delta. Nous, ça sera... D'ailleurs, l'Institut Pasteur, il vient de confirmer l'existence des cas. Et lorsqu'on parle de deux cas, soyez certain qu'on est au minimum de 50, 100 cas, minimum à travers le territoire national. Et connaissant la vitesse de propagation de ce virus, donc on imagine un peu, on devine un peu les semaines à venir. Mais c'est le nouveau variant Omicron dans les 4 cas sont avérés aujourd'hui qui inquiète le plus, ou plutôt le Delta ou les deux à la fois? Eh bien, je vais vous dire une chose très importante. Le premier danger, c'est le Delta. Le Delta, il est très meurtrier. Le deuxième danger, c'est vrai, par rapport au variant Omicron, il y a deux types de discours. Le premier discours, qui est rassurant, il n'est pas plus grave que les autres variants, moins d'hospitalisation, moins de décès, c'est un rhume, en trois jours, c'est la guérison. Ça, c'est ce qu'on appelle les données qui rassurent, rassurantes. Par contre, il y a l'autre versant de variant Omicron. Si on va en Afrique du Sud, vous savez très bien que maintenant, en Afrique du Sud, ils sont à 100% d'Omicron. Ils ont démarré avec 2-3 cas de décès, pas d'hospitalisation. Mais cette semaine, il faut voir le nombre de décès en Afrique du Sud, ils sont entre 90 et 100 décès par jour. Si on essaie de switcher vers un autre pays où il n'y avait pas beaucoup de décès, au Nigeria, il y avait 2 à 3 décès par jour. Et aujourd'hui, on est à 20-25 décès par jour. Et si on veut aller vers le Danemark, qui est aussi un pays à 100% d'Omicron, ils étaient à 0, 1, 2 décès par jour. Et aujourd'hui, on compte 10 à 15 décès par jour. Donc, tenir un discours très rassurant n'est pas en faveur de citoyens, surtout qu'on est en pleine phase ascendante de variant Delta. Mais quand vous parlez d'un discours très rassurant, c'est par rapport justement à ce Omicron, puisque vous dites la situation est inquiétante. Comment inquiétante quand vous avez des experts qui s'accordent à dire que l'Omicron est moins nocif? C'est ce qui encourage en quelque sorte un peu cette situation de relâchement, notamment dans notre pays, parce qu'on est en train de suivre tout ce qui se produit ailleurs, tout ce qui se dit ailleurs. On regarde les télévisions étrangères, on écoute les médias étrangers, et tout le monde dit aujourd'hui qu'il est un peu moins nocif. C'est quelques petits signes grippaux qui sont aujourd'hui détectés, tout simplement. Non, se manifeste par quelques signes grippaux. Non, mais il faut toujours prendre l'exemple des pays où on a de recul par rapport à l'Omicron. Parce que la plupart des pays, vous le savez très bien, c'est depuis quelques jours. Pourquoi j'ai donné l'exemple de l'Afrique du Sud? C'est par rapport au nombre de décès qui sont dus uniquement à l'Omicron. Il n'y a que l'Omicron qui est en train de provoquer ces 90-100 décès par jour. C'est vrai, sur le plan symptomatologie, on l'a dit, c'est rassurant. Et on espère bien, Inch'Allah, avec le temps, il va déplacer, pas remplacer, mais déplacer le variant Delta. Chose qui est très positive. Il ne peut pas vivre avec le Delta. Là où il y a l'Omicron, il va, si je peux me permettre, écraser le Delta. Donc c'est lui qui va prendre les dessus. Mais on parle de l'immédiat, on ne parle pas de mois de mars, on parle de mois de janvier, mois de février, comment ils seront. Donc on est en pleine phase ascendante de Delta, et avec l'arrivée de l'Omicron, qui n'est pas vraiment très très bénin par rapport aux données qui datent d'hier, les données de nombre de décès dans les pays où l'Omicron est majoritaire, donc il faut se méfier. Mais professeur Kemal Jinouhad, par rapport à ce que vous déclarez un instant, le pic de contamination sera observé à partir de janvier, février. On s'attend à cette... C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler de quatrième ou cinquième vague à partir du moment où on pourra observer le pic à partir de janvier et février? Question très très pertinente. Très pertinente. On s'attendait à voir le pic de Delta d'ici quelques jours ou deux semaines, quelque chose. Mais puisqu'il y a l'arrivée de Omicron, on s'attendait à voir le pic Delta et juste en plein décru, c'est l'arrivée de l'Omicron. Mais avec ces déclarations de l'Institut Pasteur, et puisque l'Omicron il était déjà là, moi, et ça reste ma vision personnelle, c'est un pic de Delta, et sans connaître le décru, c'est l'Omicron qui va prendre le relais petit à petit, et on aura dans une période qui va durer quand même quelques semaines, beaucoup
de nouveaux cas d'Omicron avec beaucoup de décès suite au Delta. Et vous le savez très bien, toujours la courbe descendante, c'est au cours de cette courbe descendante qu'on a le plus de nombre de décès. Mais on sera en quatrième ou en cinquième vague, puisque certains pays parlent déjà de la sixième vague de contamination. On est en quatrième. L'Omicron. On est en quatrième. Donc la quatrième, si elle va reconnaître un décru et recommence l'Omicron, ça sera quatrième suivi du cinquième. Par contre, si avant le début de la descente de la courbe Delta, l'Omicron va prendre le relais, ça sera une quatrième qui sera certainement plus violente, si je peux me permettre de le dire. Une des caractéristiques de ce Omicron, c'est sa forte contagiosité. Très, très forte contagiosité. Vraiment, vous le savez très bien qu'aujourd'hui, une personne sur deux qui a un rhume est Covid positif en Angleterre. Donc, il se transmet très, très rapidement. On a donné l'exemple de la Norvège. Une personne qui a contaminé 120 personnes en une seule nuit. Donc, c'est le virus le plus contagieux depuis parmi tous les virus respiratoires. Donc, et vous allez le voir, lorsqu'il rentre, l'Omicron, dans un espace clos, comme les espaces de l'UNTV, ben, personne ne va échapper. Tout le monde va être en contact avec l'Omicron. Les signes symptomatiques de l'Omicron ? Les signes symptomatiques, ils sont rassurants. C'est un rhume. C'est un rhume, donc c'est les maux de tête, c'est l'écoulement nasal, c'est le mal de gorge et l'éternuement. Pas de fièvre, pas de perte d'odorat et pas de perte de goût. Globalement, c'est ça, avec une fatigue qui peut être parfois très, très, très intense. Mais dès l'apparition de ces symptômes, il va falloir un peu se faire dépister automatiquement. Mais comment aujourd'hui, au niveau par exemple de certains centres de dépistage, peut-on identifier le Delta de l'Omicron ? Est-ce qu'on a les moyens de séquençage ou seul Pasteur pourrait le faire ? À ce jour, seul Pasteur pourrait le faire. Et c'est dommage, on n'a pas investi, c'est par rapport à la direction de la recherche au niveau du ministère de l'enseignement supérieur qui n'a pas trop investi dans la généralisation de séquençage. Je ne parle pas de l'Omicron, mais par rapport au séquençage au territoire national. Et c'est vraiment désolant, on aurait aimé voir cette technique un peu décentralisé. Donc, on n'a pas besoin de faire monter un prélèvement d'un Algérien qui habite à Madras pour faire le séquençage à Pasteur. Et c'est vraiment désolant en 2021 de n'avoir qu'un seul centre de séquençage de l'Omicron à travers tout le territoire national. Il faut élargir les centres de séquençage à travers tout le territoire national. Bien sûr. Maintenant, c'est l'opportunité de SARS-CoV-2. Il faut agir vite et rapidement. Vite, rapidement, c'est très, très difficile avec toutes les procédures de marché au niveau des établissements public. Donc ça va prendre du temps, mais je pense qu'il faut prendre des décisions et commencer à investir dans ce sens. Mais dès l'apparition de ces symptômes, c'est-à-dire grippeau, écoulement nasal, maux de tête, légère toux, il faut se mettre automatiquement en confinement ou alors procéder à des prélèvements? Logiquement, dès qu'on a les symptômes, c'est un test antigénique. Si on est positif, on ne peut pas bien sûr dire que c'est l'Omicron, on doit passer par un séquençage. Mais vous allez voir. Toutes les entreprises devraient l'exiger dès qu'il y a un cas symptomatique. Maintenant, on n'a plus le droit d'accepter le discours. Non, c'est un simple rhume, je suis enrhumé. Enrhumé, vous avez plus de 50% de chances d'être Covid positif. Mais est-ce que la propagation, vu un peu la virulence de sa contamination, pourrait connaître, c'est-à-dire un accroissement terrible? On pourrait atteindre les 100 000, par exemple, contaminations jour, comme on le voit actuellement au niveau de la France. Il y a 4 jours, ils avaient enregistré 94 000 contaminations en une journée, puis c'est passé pratiquement à 150 000 en 2 jours. C'est un virus qui est connu par sa vitesse de propagation, et vous le savez très bien que le nombre de nouveaux cas double tous les 2 à 3 jours. Et vous pouvez imaginer un peu, vous le savez très bien, en Algérie, c'est très difficile de donner un chiffre réel puisque les antigéniques ne sont pas comptés, puisque les labos qui font le PCR, qui sont pas homologués par l'Institut Pasteur, ne sont pas comptés. Donc c'est très, très difficile de se rapprocher un peu de la réalité. Mais quand même, ça nous donne une impression par rapport à l'augmentation des chiffres.
Alors, il y a aujourd'hui l'obligation du pass vaccinal au niveau des lieux publics. Il va falloir renforcer encore davantage le contrôle pour éviter, par exemple, une large propagation, parce que ça pourrait aussi paralyser tous les secteurs névralgiques. On le voit, par exemple, pour le transport, pour les secteurs économiques, pour également le secteur sanitaire, puisque nous savons qu'au niveau du secteur sanitaire, seuls 20% du personnel sont aujourd'hui vaccinés. Malheureusement, il vaut mieux tard que jamais. C'est vrai qu'on a appelé à l'application de passe sanitaire depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ça a été instauré. Et ça ne constitue qu'un moyen pour empêcher la propagation de virus. Je pense qu'il faut le généraliser. Vous le savez très bien, maintenant, il y a pas mal de pays européens qui sont partis vers le port de masques, même à l'extérieur. Donc, il ne faut pas rester vraiment... Ils sont revenus sur des mesures exactement, restrictives. Et je pense qu'il faut l'obliger dans tous les espaces fermés. Il doit être une obligation parce que l'Omicron se propage dans les espaces fermés. Il va falloir l'élargir à d'autres espaces, à la place des espaces publics également, prendre d'autres mesures restrictives. Bien sûr. Est-ce que c'est une sorte d'incitation à la vaccination, en quelque sorte ? C'est une sorte d'incitation, sans le rendre obligatoire, mais vous serez obligé d'être vacciné avant d'accéder à tel ou tel endroit. Je pense que ça reste quand même un moyen d'élargir et d'augmenter le nombre de vaccinés. La preuve, je l'ai dit à maintes reprises, même en Europe, aux États-Unis, si on n'a pas obligé ce type de mesure, le pass sanitaire, on ne pourrait jamais atteindre les 80% de vaccinés. Mais s'il est obligatoire qu'au niveau des lieux publics, certaines personnes pourraient refuser d'y accéder et refuser à la fois de se faire vacciner. Comment essayer de concilier entre les deux quand on veut aller aujourd'hui vers une vaccination la plus large possible dans notre pays ? Vous savez très bien, il y a, si je peux évaluer un peu la population algérienne, il y a 20% qui est réticente, c'est une réticence irréversible. Ce n'est plus la peine d'insister avec eux. Mais il y a 40 à 45% de la population qui manque un peu d'informations, ils ont une grande méconnaissance et une peur par rapport à cette vaccination. Je pense qu'il faut aller vers cette population pour la sensibiliser encore plus et augmenter le nombre de sujets vaccinés. Je profite, si vous me permettez, Madame Souhila, et ça reste mon avis personnel. Par rapport aux 5-6 millions qui n'ont reçu qu'une seule dose, je lance un appel d'un professeur en immunologie. Ce n'est pas la peine de refaire le calendrier vaccinal. Allez faire une seule dose et vous serez protégé 15 jours après la deuxième dose. Alors, mais cette réticence irréversible, vous parlez des 20% de la population et dû au lobby anti-vaccination, comme on le voit à travers le monde aujourd'hui, parle un peu de la dictature des laboratoires. Oui, c'est vrai. En fin de compte, vous le savez très bien, il y a quelques rapports même où on incrimine quelques labos à l'origine de ce virus. Parce que vous le savez très bien, lorsqu'on est dans une crise, il faut toujours, pour essayer d'enquêter, voir qui a tiré profit de la crise. Et qui a tiré profit de la crise, ce sont les firmes pharmaceutiques. Et il faut être méfiant. Il y a des choses qui sont instruites par ces firmes. On ne les suit pas. Heureusement qu'on a un conseil scientifique, on est généralement fidèle aux instructions de l'OMS, mais ça ne nous a pas empêché d'opter pour des mesures spécifiques de notre pays. Mais comment aller vers une plus grande incitation à la vaccination ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire face à la réticence des Algériens ? Donné un chiffre des 5 millions d'Algériens qui n'ont eu 5 à 6 millions d'Algériens qui ont eu qu'une seule dose et à peu près 5 millions seulement qui ont eu les deux doses, donc ça ne représente que l'équivalent pratiquement de 10 à 11% de la population. Comment inciter plus aujourd'hui à la vaccination ? Il faut inciter plus par rapport au danger qui va venir dans les semaines à venir. C'est le premier point. Le deuxième point, il faut les inciter vers une deuxième dose, même si c'est 4 mois, 7 mois après la première dose, et essayer de ne pas arrêter ces séances de sensibilisation à travers les médias. Alors, professeur, bien sûr, Kamel Djounouhed, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. On a parlé un peu de l'obligation du pass vaccinal dans les lieux publics. On ne parle plus aujourd'hui du pass sanitaire. On parle plutôt du pass vaccinal. Le pass vaccinal veut dire qu'il faut obligatoirement être vacciné pour pénétrer dans les lieux publics. Exactement. Donc, on n'a plus. C'est pas la peine de faire un test PCR ou un test antigénique. Pour dire, voilà, exactement, je ne suis pas contaminé. C'est ça.
Il faut se présenter avec le pass sanitaire. Et le pass sanitaire, c'est 15 jours après la deuxième dose. Mais s'il y a aujourd'hui, par exemple, une hausse de contamination à travers le pays, puisque vous attendez une augmentation à partir du mois de janvier-février, professeur Dérard l'a aussi confirmé, puisqu'il a annoncé lui-même les 4 cas de contamination détectés dans notre pays, 2, c'est-à-dire supplémentaires depuis hier. Et on a vu dans un des pays où une personne avait réussi, dans une fête, une réception, dans un endroit que l'eau a contaminé 120 personnes. Est-ce que des mesures de reconfinement pourraient être envisagées, puisque dans certains pays, le recours à des restrictions, fermeture par exemple des salles de spectacle, les salles de théâtre, les restaurants et les salons de thé? C'est une question très pertinente. Vous le savez très bien, le confinement sur le plan politique, c'est une décision des autorités, mais sur le plan scientifique, on opte pour le confinement lorsqu'on voit les structures hospitalières un peu... un afflux massif vers les structures hospitalières. À ce jour, Dieu merci, on n'est pas arrivé à ce stade, bien que les, on a plus de 3500 hospitalisés aujourd'hui, et on a des difficultés pour trouver une place en réanimation, mais vous le savez très bien, l'Omicron, lorsqu'il rentre, généralement, c'est des augmentations exponentielles, puisqu'il double de 3 jours, donc tout sera possible. Alors, la vaccination pédiatrique, ça y est, c'est autorisé ou pas encore, professeur Junouhad, puisqu'on a beaucoup hésité avant d'adopter la vaccination des plus jeunes, c'est-à-dire les sujets jeunes, c'est-à-dire les 12-17 ans. Eh bien, ça a été débattu au niveau du conseil scientifique depuis plusieurs semaines. La décision n'a pas encore été prise, mais je vous parle en tant que professeur en immunologie. Vous le savez très bien que les dernières vagues en Europe, lorsqu'ils ont fait la stratification des statistiques, ça a démarré par les jeunes. C'est les jeunes, cette fois-ci, qui ont contaminé les adultes. Donc, il y a un groupe un peu réticent qui vous disent, voilà, c'est pas la peine de vacciner les enfants, puisqu'ils font pas des formes graves, il n'y a pas de décès. Mais ils oublient une chose très, très importante. Lorsque ces jeunes contaminent les adultes vont progresser vers les décès, des formes graves. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y a des pays comme la Chine qui n'ont pas attendu. À partir de 3 ans, ils vaccinent, même pas mal de pays en Europe, qui commencent à partir de 4 ans. Moi, personnellement, ça reste mon avis personnel. Les États-Unis, je suis pour la vaccination pédiatrique, d'autant plus qu'on est en Algérie, vous le savez très bien. Le vaccin n'a pas un caractère obligatoire. Donc moi, si je veux protéger mon enfant qui est obèse, pourquoi vous ne me donnez pas la permission ou l'autorisation de le vacciner, de le protéger? Oui, mais est-ce que maintenant, ça va s'élargir à travers tout le territoire national, bien sûr, la vaccination des sujets jeunes? Ça n'a pas encore, la décision n'a pas été prise encore. Je suppose que la semaine prochaine, il y a toujours une réunion de conseil scientifique et je pense, Inch'Allah, que la décision sera prise. Et je reviens vers un autre aspect par rapport à cette vaccination des sujets qui ont moins de 18 ans. Vous le savez très bien, le premier secteur qui a été vraiment sanctionné, c'est le secteur de sport. Donc, il y a pas mal de disciplines sportives qui sont à l'arrêt. L'éducation nationale aussi. Les établissements pourraient être à l'arrêt si l'Omicron se propage largement. Non, le sport des jeunes, il est déjà à l'arrêt depuis 2 années. Donc, et ça va retentir négativement sur la performance de nos jeunes sportifs, athlètes, d'ici 2-3 ans. Mais vous avez aussi cette troisième dose. Tout le monde hésite aujourd'hui, dit qu'il faut l'administrer au bout de 6 mois, 5 mois. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la décision au niveau du comité scientifique a tranché pour 4 mois? Oui, ça a été tranché. L'instruction a été donnée aux structures de vaccination hier. Donc, c'est la décision de 4 mois. Juste, si vous me permettez, je parle toujours en tant qu'immunologiste. On a constaté que le Johnson, il y a pas mal de personnes qui font le vaccin Johnson. Ils vous déclarent qu'ils ont fait beaucoup d'effets secondaires. C'est vrai, il fait des effets secondaires un peu intenses, mais ces effets secondaires ne sont que le reflet d'une bonne réponse immunitaire. Il y a une bonne réponse immunitaire pour le vaccin Johnson, mais chose est certes pour le vaccin Johnson, la durée de la protection n'est pas très longue. Donc, il y a pas mal de pays qui boostent pour le Johnson à 2 mois et non pas 4 mois ou à 6 mois. Alors, je voudrais aborder avec vous, professeur Kamel Jenouhad, plusieurs questions par rapport à cette obligation du pass sanitaire. Nous avons vu qu'à travers le monde aujourd'hui, il y a malheureusement la circulation de faux passes sanitaires, ou plutôt les faux passes, le faux pass vaccinal. Comment vérifier quand on n'a pas les outils nécessaires pour le faire? Vous avez, par exemple, moi j'ai rencontré 2 personnes hier qui m'ont dit non, 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 nous,
nous sommes contre la vaccination et je vais acheter mon pass vaccinal. Je ne citerai pas les noms. Eh bien, ce n'est pas spécifique, vous le savez, Madame Souyelaliach, mais ce n'est pas spécifique de l'Algérie. Moi, je connais des amis en France. On l'a vu à travers le monde. Qui l'ont acheté à 200-300 euros. Donc, il est en vente à 50 000 dinars. C'est très, très difficile d'enquêter sur cela. Et je reviens vers un peu la conscience professionnelle de personnel hospitalier. Essayez de éviter. Vous avez opté pour un métier noble, un métier de blouse blanche, donc évitez ces mauvaises habitudes. Ou ces mauvaises pratiques qui peuvent peut-être nuire aussi à la collectivité. Alors, pour certains corps, il y a une réticence à la vaccination. Est-ce qu'il va falloir un peu, quelque part, au niveau par exemple, on parle des lieux publics où le pass vaccinal est aujourd'hui obligatoire, c'est-à-dire les salles de sport, les restaurants, les salles de spectacle, c'est-à-dire les salles de cinéma et les théâtres. Au niveau des stades de football, on l'a vu, il est rendu obligatoire. Est-ce que par exemple, avec la rentrée prochaine scolaire pour le deuxième trimestre, il va falloir aussi le rendre obligatoire au niveau des établissements scolaires? Normalement. Ou l'université aussi. Normalement. Parce qu'à l'amphithéâtre, exactement. On est très nombreux. J'espère. On peut atteindre les 500, 600 élèves. Exactement. Et avec l'Omicron, vous le savez très bien, deux étudiants malades pendant 4 heures et tout l'amphi qui sera contaminé. Tout le monde est contaminé. J'espère que les autorités vont encore plus loin parce qu'en fin de compte, vous le savez très bien, dans l'éducation, l'enseignement supérieur, c'est des espaces clos, que ce soit des classes ou des amphithéâtres. J'espère que ça sera généralisé au niveau de ces structures, Inch'Allah. Mais comment faire en sorte, est-ce que dans les lieux publics, par exemple, où il est aujourd'hui obligatoire, vérifier l'obligation du pass vaccinal? Vous avez un restaurant, il ne peut pas refuser, par exemple, des clients. Il va falloir qu'il refuse des clients, il va falloir opérer des contrôles, des brigades mixtes, sanitaires. Exactement, ça relève on la voit, hein, même dans les pays développés, ça ne fait pas partie des tâches de la santé, mais ça relève des prérogatives du ministère de l'Intérieur, avec les collectivités locales, et ce qu'on attend, j'espère bien qu'on va assister à ces visites inopinées, à des contrôles. J'espère bien voir les contrôles dans les jours à venir, Inch'Allah. Alors, question de l'auditeur, ne pensez-vous pas, professeur, que pour inciter à la vaccination, il faudrait aller vers des campagnes choc comme pour celles faites pour le tabac ou la drogue? Je pense qu'on a fait plus qu'une campagne. Qu'elle a abouti à des résultats escomptés Les objectifs du ministère, c'était d'atteindre 70% de la population vaccinée à décembre. On est à la fin de décembre et ce n'est pas le cas. Nous avons 10, voire 11% de la population qui est vaccinée. Même dans le corps médical ou de la santé, seulement 20% aujourd'hui sont vaccinés. C'est-à-dire qu'il y a une réticence, même parmi les professionnels de la santé. Je peux dire que l'objectif n'est pas atteint. 70% de vaccinés. Mais vous le savez très bien, c'est l'impact négatif qu'a le corps médical. Vous le savez très bien que si un médecin refuse de le faire, c'est son entourage, c'est le voisinage, c'est ses copains, c'est tout le monde qui ne va pas se faire vacciner parce que mon ami, le docteur, ne s'est pas fait vacciner. Donc malheureusement, et je l'ai dit à maintes reprises, c'est le corps médical qui a impacté négativement la réussite de la campagne vaccinale en Algérie. Faut-il rendre obligatoire le vaccin pour certains corps de métier, comme par exemple le corps médical, comme c'est le cas au niveau des États-Unis, la Chine, la France, l'Italie, l'Allemagne, tous les pays ont rendu obligatoire la vaccination pour le corps médical. Moi, je l'ai dit à maintes reprises, pour le corps médical, il doit être obligatoire, que ce soit au niveau des structures privées ou publiques. Parce que vous le savez très bien, maintenant, avec le Delta, avec l'Omicron qui va arriver, le médecin, c'est lui qui va transmettre au malade le virus. Donc, pour essayer au moins de prendre des mesures préventives par rapport à cela, j'espère qu'il y aura un durcissement de mesures par rapport aux structures de santé. Est-ce qu'il faudrait revenir à certaines, par exemple, dispositions qui avaient été prises au pic de la troisième vague, c'est-à-dire encourager davantage, par exemple, le télétravail ou les conférences aussi à distance, parce que nous avons vu que nous avons repris un peu certaines activités où il y a un attroupement important de personnes ou de personnalités dans un même espace. Est-ce qu'il va falloir limiter ce type d'activité en attendant de voir un peu mieux sur la propagation de l'Omicron dans notre pays? Je pense que la situation actuellement, est-ce qu'on soit prudent? On soit prudent, mais pas aller jusque-là. Pas alarmiste, parce que Dieu merci, même au niveau des structures hospitalières, c'est vrai qu'on a 2-3 services de Covid qui sont pleins, mais on n'a pas encore atteint les chiffres qu'on a vus
durant la vague de variant Delta en juillet-août. Donc, je pense qu'il faut être prudent et les décisions doivent évoluer avec l'évolution de la pandémie. Autre question de l'auditeur. En ce qui concerne la troisième dose, faut-il faire le même type de vaccin, par exemple 3 doses de Sinovac, ou bien est-il possible de changer lors de la troisième dose? On parle bien sûr de cette interchangeabilité qui est aujourd'hui validée même par l'OMS. Oui, on a parlé de cette interchangeabilité depuis plusieurs semaines. Elle est validée, c'est libre à vous si vous voulez faire le même vaccin. Ça sera efficace. Si vous voulez faire un vaccin différent, on aura la même efficacité. Sauf, vous le savez très bien, pour ceux qui ont fait Sputnik, qui veulent voyager, dans ce cas-là, ils doivent opter soit pour l'AstraZeneca, soit pour Johnson. Alors, à quoi sert de se faire vacciner quand on sait qu'avec l'Omicron, on se fait de toute façon, on est contaminé? Eh bien, question très pertinente. Vous savez très bien les caractéristiques de l'Omicron. En tant qu'immunologiste, certainement, on aura une diminution de l'efficacité de l'immunité acquise, soit suite à une infection naturelle ou par le vaccin. Mais on est en train de voir que, quand même, la troisième dose, elle protège contre l'apparition des formes graves et les décès. Alors, certains médecins aujourd'hui ne cessent de dire que se faire vacciner contre le Covid, c'est se faire vacciner contre, c'est se protéger contre le Covid, mais qui va nous protéger à moyen terme ou long terme sur le vaccin ou du vaccin? Vous savez très bien, à ce jour, les effets secondaires des vaccins sont publiés. Il y avait ceux qui ont été publiés durant la phase 2 et 3 et ceux qui ont apparu durant la phase 4. Donc, les effets secondaires de vaccins à moyen terme sont connus. Et à long terme, vous le savez très bien, c'est presque le même type de vaccin qu'on faisait, ça fait depuis plus de 30 ans. Et on n'a pas vu vraiment des effets à long terme. Alors, la rapidité de la découverte de ce vaccin, c'est ce qui fait aujourd'hui ou c'est ce qui manifeste cette frilosité à la vaccination, puisqu'à la naissance, on se fait quand même vacciner, professeur Kamel Djenouhet. Oui, c'est vrai, c'est le point primordial qui a été utilisé par le lobby anti-vax, comme quoi on ne peut jamais produire un vaccin en 8 mois, 9 mois, 10 mois. Ils n'ont pas tort, mais il y a un grand mais. Vous le savez très bien que la technologie existe et d'ici quelques mois ou quelques années, ces nouvelles technologies vont envahir la thérapie en oncologie dans pas mal de pathologies infectieuses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on n'a jamais vu des gouvernements, des États qui ont donné des milliards de dollars. Et vous le savez très bien que la recherche et les résultats de la recherche sont directement tributaires au financement. Est-ce qu'il y a une personne qui entendait parler de laboratoire Moderna avant le SARS-CoV-2? Mais puisqu'il a été très bien financé, maintenant c'est tout le monde qui connaît Moderna. Mais avec, bien sûr, cette vaccination et le recours à cette vaccination, est-ce qu'elle pourrait devenir permanente, c'est-à-dire comme la vaccination antigrippale, se faire chaque année vacciner pour éviter de choper la grippe saisonnière? Et est-ce que réellement le pass sanitaire, dans ce cadre-là, est valide que 4 mois? Professeur Kamel Djenouhet. C'est une question très pertinente. Vous le savez très bien, c'est très très difficile de prédire ou de prévoir l'évolution de la pandémie, mais on a quelques éléments de réponse. Maintenant, comment voit les choses. Probablement, c'est l'Omicron qui va prendre le dessus, certainement, dans le monde, d'ici 2 mois, 3 mois, il n'y aura plus d'autres variants. Et on est beaucoup plus vers l'évolution ou la transformation de la forme pandémique vers la forme endémique de cette infection. On espère, Inch'Allah, d'ici quelques mois, se retrouver avec une infection banale à coronavirus. Alors, vous avez autre question, un peu, qui s'adresse à vous en tant que spécialiste, professeur Kamel Djenouhet, qui vous dit « Je fais beaucoup d'allergies médicamenteuses, je veux bien être vacciné contre le Covid, les spécialistes sont un peu méfiants lorsque je déclare mes allergies. Que faire aujourd'hui, professeur Kamel? Faut-il quand même se faire vacciner? C'est un appel qui est destiné à mes confrères vaccinateurs. Il n'y a que 2 produits qui peuvent contre-indiquer la vaccination. Il y a le PEG, il y a le sorbitol 80. Sinon, un sujet allergique, un sujet qui a fait des chocs anaphylactiques à autre chose, vous le vaccinez, il n'y a aucun souci. En plus de ça, vous le savez très bien que dans les centres de vaccination, on garde le citoyen pendant 15 à 30 minutes. S'il y a un petit souci, on intervient. Mais pour les sujets allergiques, c'est un appel. La vaccination anti-Covid qui est disponible en Algérie ne représente pas de contre-indication pour. Est-ce que les vaccins, bien sûr, utilisés largement dans notre pays, sont efficaces contre ce nouveau variant, l'Omicron?
Vous savez très bien, on ne parle pas de vaccins disponibles chez nous, mais c'est presque le même type de vaccin qui existe partout à travers le monde. Parce que le Johnson Johnson. Oui, le Johnson ou bien le Sputnik ou bien l'AstraZeneca, ils utilisent un ADN pour produire le spike. Et le Pfizer Moderna utilise un ARN pour produire le spike. Donc, c'est toutes les firmes pharmaceutiques qui ont opté pour cette réponse immunitaire dirigée contre le spike. Et comme le spike, la protéine S, elle a un peu changé avec ses 32 mutations dans le variant Omicron, je l'ai déjà dit, qu'on aura certainement une baisse d'efficacité et de la vaccination et de l'immunité acquise suite à une infection naturelle. D'ailleurs, vous le savez très bien que les réinfections par le variant Omicron, ils sont 10 fois plus que les réinfections par le variant Delta. Dans les transports publics, faut-il rendre obligatoire aujourd'hui le pass vaccinal, professeur Kamel Djennouhat? C'est le moyen. Vous le savez dans très bien. Dans les bus, en Algérie, les taxis, je peux vous dire que, le métro, que je peux vous dire que le train, le moyen de transport sont les principaux vecteurs de transmission. Vecteurs de transmission de ce virus. Il faut le rendre obligatoire au niveau aussi des transports publics. Exactement. Le train, le métro. On doit respecter l'autrui. On n'a pas le droit de monter tramway. Si on n'est pas. Oui. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, dois-je faire aujourd'hui un antigénique avant de faire la première dose? Professeur Kamel Djennouhat. Si vous êtes symptomatique, ne faites pas de vaccin. Si vous n'êtes pas symptomatique, vous faites le vaccin sans PCR et sans test antigénique. Ce sont les instructions de l'OMS et aucun pays dans le monde n'a opté pour un test antigénique ou une PCR avant la vaccination. Alors, j'ai plus de 50 ans et j'ai deux maladies chroniques. Quel vaccin me suggérez-vous, professeur Kamel Djennouhat? Là, on parle réellement au professeur. Honnêtement, vous le savez très bien, on a peur des vaccins SARS-CoV-2 atténués, qui est contre-indiqué chez une catégorie de population. Mais le SARS-CoV-2 atténué n'a pas été autorisé par l'OMS. Donc il n'y a aucune contre-indication par rapport à tous les vaccins qui existent sur le marché. Alors autre question au professeur Kamel Djennouhat. Pour le Johnson Johnson, faut-il une deuxième dose pour les moins de 30 ans? On dit que cela est nécessaire pour avoir le pass sanitaire valide. Le Johnson, je l'ai déjà dit. C'est une seule dose, mais il faut pas réfléchir au voyage. Il faut réfléchir à la protection individuelle. Et je l'ai déjà dit, le Johnson, il a une durée de protection qui n'est pas très longue. Donc, aller vers booster troisième mois, puisque l'instruction du ministère, c'est à partir de quatrième mois. Mais moi, je vous conseille, pour ceux qui ont fait le Johnson, de booster à partir de quatrième mois. Alors, faut-il que les autorités aujourd'hui vérifient les passes vaccinales? Parce qu'on peut avoir des gens qui ont une carte de vaccination qui date des premiers jours de la vaccination, à partir de février ou mars 2021, et qui peuvent circuler avec leur carte en étant vaccinés et protégés. C'est vrai qu'on a tendance à penser que les gens qui sont vaccinés, ils circulent librement sans masque. Aussi. Très, très bonne question. Vous savez maintenant, au début, on se posait la question, est-ce que les vaccinés transmettent? On disait qu'ils transmettent moins, mais aujourd'hui, le vacciné, lorsqu'il est symptomatique, il transmet le virus. Et on doit quand même vérifier le pass sanitaire parce que vous le savez très bien, à partir du sixième mois, il n'est plus valable. Alors bonjour, des cas de grippe très virulente sont vus actuellement et observés avec des tests négatifs. Comment les considérer, grippe ou Covid? C'est vrai qu'on a tendance à, dès que quelqu'un éternue, ou tous, on est pris de panique. Moi, ce que je vous conseille pour l'Omicron, là, une spécificité qui n'a pas été trop dite par les experts, il ne faut pas faire le test antigénique le premier jour. C'est le deuxième jour qui est positif. Donc, faire un test antigénique le deuxième jour, s'il est positif, c'est le Covid, s'il n'est pas positif, c'est la grippe. Est-ce qu'il faudrait rendre aussi parallèlement accessibles les tests antigéniques à travers tout le territoire national, faire contribuer la CNAS pour le remboursement, parce que les gens parfois, ils hésitent à faire les tests parce qu'ils sont parfois coûteux. Quand par exemple, c'est pas normal. PCR, vous savez très bien, vous savez très bien, partout dans le monde, le test antigénique n'est pas coûteux. Et je pense qu'on doit quand même s'aligner et on doit opter pour les firmes pharmaceutiques qui ont des tests. Oui, mais quand vous avez, par exemple, devez vacciner 10 ou 15 membres de votre famille, parce qu'on vit en famille. On vit en famille, mais lorsqu'on vaccine, je l'ai déjà dit, on n'a pas le droit de faire recourir aux tests antigéniques. Test antigénique, c'est pour les malades.
uniquement pour les malades. Même si vous êtes, si vous rattrapez le virus, vous faites pas de symptômes, fort possible que le test antigénique va donner un résultat négatif. Mais est-ce qu'il va falloir, bien sûr, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il pourrait y avoir des centaines de milliers de contaminations, malheureusement, si l'Omicron s'intègre davantage dans notre société, recourir par exemple aux autotests à travers le monde? On parle maintenant des autotests qu'on peut acheter carrément au niveau des grandes surfaces pour se faire tester rapidement, au moins. Oui, essayer. Je pense que c'est un appel à la tutelle d'opter un peu plus pour les tests antigéniques nasales. C'est pas la peine qu'il le fait rentrer jusqu'en nasopharynx. C'est très désagréable. Et je pense qu'ils sont disponibles. Et on n'a pas besoin. Ça se fait partout dans le monde. Importer les autotests, ça pourrait se faire également. Ce qu'on a vu à travers le monde. Il y a une ruée vers le test antigénique. On peut le faire à domicile. On peut le faire à domicile. Alors, autre question, professeur Kamel Djennouhat, quelles sont aujourd'hui les précautions à prendre déjà pour éviter de choper une quelconque le Delta ou l'Omicron? Les précautions sont les mêmes, quel que soit le variant. Se protéger beaucoup plus. J'insiste sur le masque parce que vous le savez très bien, lorsqu'on parle de moyens de transport. On a tendance à penser qu'on étouffe, donc on l'enlève par mégarde. Et lorsqu'on porte le masque, c'est pas pour cacher la bouche, c'est beaucoup plus par rapport au nez. Le virus pénètre par le nez. Donc, protégez votre nez. Et j'ai déjà fait un appel par rapport à ceux qui ont bénéficié d'une seule dose, même s'il y a 4, 5 mois, 6 mois, vous pouvez aller vers la deuxième dose. Et puisqu'on est, on n'est pas encore en pleine catastrophe, je lance un autre appel à la population d'aller vers les centres vaccinaux au lieu de chercher une place au niveau du structure hospitalière ou bien au niveau de la réanimation. Mais au niveau des structures hospitalières, est-ce que toutes les dispositions sont prises pour faire face éventuellement à cette quatrième vague et voire peut-être la cinquième, puisque vous parlez déjà de cinquième vague l'Omicron? Et bien, vous le savez très bien, tout est relatif. C'est en fonction du nombre qui va partir au niveau de ces structures. Si on dépasse les 1000, fort possible qu'on sera dépassé avec le temps. Alors, les femmes allaitantes peuvent-elles se faire vacciner? Les femmes enceintes également, puisque maintenant, à l'OMS, Ça reste toujours mon avis personnel. Ça n'a pas été tranché au niveau de conseil scientifique, mais ça reste mon avis en tant que professeur en immunologie. Il n'y a aucun souci par rapport aux femmes enceintes. Et on sait très bien que le vaccin, il va protéger les femmes enceintes contre toutes ces complications pour la femme et complications pour le fœtus. Et pour les femmes allaitantes, c'est la même chose. Aucun souci, ils peuvent se faire vacciner. Professeur Kamel Djennouhat, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Et bien sûr, pour votre santé et votre sécurité, portez toujours vos masques. Merci.